de cette manifestation qui a récompensé les anciens joueurs. Non, c'est Roger Milla qui est ému. Ce n'est pas l'ambassadeur. Je crois que ce soir, on a essayé de rassembler tous les anciens, vraiment de football camerounais. Merci que beaucoup soient venus. Peut-être qu'on n'a pas pu joindre tous les autres, mais il y aura d'autres cérémonies, il y a d'autres réunions qui vont se passer bientôt ici à Douala. Nous aimerions que tout le monde soit là pour que nous puissions ensemble vraiment parler le même langage. Tous ces querelles, la jalousie, là, tout, il faut qu'on les mette de côté. Ça ne nous avance à rien. Donc moi, je suis très content ce soir. Et en plus de cela, je suis beaucoup plus content encore parce que Sia de Nigeria et James Deba de Libéria sont venus. C'est vrai que Georges a envoyé James Deba. J'aurais aimé qu'il soit là parce que je suis tout le temps en contact avec lui. J'aurais aimé qu'il soit là. Mais je pense que s'il a envoyé James Deba, c'est que c'est lui-même qui est là. James Deba est comme son frère. Et lui, il est trop pris à ce moment où il est président de la République. Je voudrais encore une fois de plus profiter de l'occasion pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour le football africain déjà, le football mondial. Et merci de m'avoir écouté pour les présidentielles. Parce que la première fois qu'il a mis sa candidature, il avait hésité un peu. On lui a dit non, s'il y a possibilité d'aller aider tes compatriotes, vas-y. Moi, je suis très content pour vous. Alors, on vous a dédié un prix à un de vos coéquipiers du Yopa Sportif de Douala, du côté de la Quintini. Alors, où est venue cette idée, Albert Bouchemin? Non, il n'a pas tellement essayé. Il était mon copain de Yopa de Douala, mais c'est même mon frère de Yopa de Douala. Ensuite, en plus de cela, il a été mon frère de l'équipe nationale du Cameroun. Beaucoup de gens ne l'ont pas connu, mais c'était un défenseur ténace, tu me connais, Ibana Bek. Donc il est en difficulté, c'est tout à fait normal. J'ai été cet après-midi à l'hôpital pour le rencontrer, je n'ai pas pu le voir, mais j'ai rencontré le directeur de l'hôpital La Quintini. Et je suis content, vraiment très content que le gouverneur et puis cela en compte. Et il va sûrement en parler aussi aux délégués du gouvernement pour qu'on le sorte de là. Parce qu'on peut lui donner une nouvelle vie. On ne le sait jamais. Alors c'est aussi un message à la voix de tous les anciens gloires qui sont en difficulté aujourd'hui. Tout à fait. C'est un message qui est un message que j'ai vécu depuis plusieurs années. Je n'ai pas été. J'ai pas été bien écouté ou bien suivi tout. Je suis content que beaucoup aujourd'hui commencent à comprendre que la vie devient un peu. Il faut que nous marchions ensemble, que nous mangeons ensemble, que nous vivons ensemble pour l'avenir, pour notre avenir à nous-mêmes et l'avenir de ceux qui sont en difficulté.